Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce 7ème épisode de The Elder Scrolls, l'aventure épique, et donc nous sommes sur The Elder Scrolls Arena. Et donc, dans le dernier épisode, nous avions récupéré le parchemin des anciens The Elder Scrolls pour savoir où se trouve Fangler. Et donc, on va aller rendre tout ça à la reine de Riyad ou la Jarl, comme vous voulez. Donc, c'est vers le sud. Le palais comme d'hab, et donc voilà, on va rendre ça. Donc j'ai passé la nuit durant les deux épisodes qu'il y avait. J'ai fait passer la nuit parce que voilà, j'allais pas c'est le truc un peu chiant. On est arrivé au palais, j'ai juste payé l'auberge et puis voilà, pas fait grand chose. Allez, on va voir notre amie la reine. Oh, vous avez retrouvé le parchemin! Et je suis heureuse. Very glad where still we've completed my end. Alors, elle prend le parchemin avec un stylo, enfin, une plume, dans le temps c'était une plume, et elle écrit. La situation, il a inscrit la situation de Fangler quelque part dans la province d'Hammerfell. C'est écrit sur votre map. Oui, enfin on va arriver à Fangler. C'est écrit sur ma map. Donc on va pouvoir y aller. Ah, ça fait, c'est cool. Donc cette fois-ci on va pas se perdre comme d'hab, on va faire comme ça, comme d'habitude. Hop. Hammerfell et Fangler. Fangler, oui! Putain, on a enfin réussi! Fangler, vous vous tenez devant les portes en forme de dragon de Fangler, humble devant leur majesté. L'enclave naine semble abandonnée depuis longtemps. Murs de pierre se fissurent sous le poids de l'âge et la négligence. Quelque part dans les profondeurs humides se trouve la première pièce du bâton du chaos. On y est, enfin. Bah donc on est parti pour le donjon. Si je veux bien mettre les épées. Donc je vais faire une sauvegarde maintenant ici. Et ouais, cet épisode risque d'être long aussi. Je vais mettre dans celui-là. Voilà. Comme le dernier épisode il est sorti et tout allait bien. Vous êtes dans Fangler, les passages taillés par les nains sentent. J'ai pas vu. Warhammer. J'ai un marteau, mais le marteau, je pense pas qu'il soit aussi puissant que mon truc. Il fait entre 3 et 18 et le mien il fait entre 3 et 21. Donc on va garder mon Daikatana. Alors je sais pas du tout les ennemis qu'il y aura dedans, on verra bien, on verra ensemble, on mourra ensemble, on fera tout ensemble. J'espère que vous êtes heureux. Donc déjà ça me dit rien qu'il va. Est-ce qu'il y a un truc ici? Ouais. Non, y a rien. Ok, y a que dalle. Donc il y a des trous, je pense pas qu'on peut tomber dedans, enfin sauf si c'est les trous de la dernière fois. Ces tunnels semblent s'étendre à l'infini, mais les rails le long des quais desquels vous êtes mènent vraisemblablement à un puits de mine. Ok. On est dans une espèce de mine. Il y a des squelettes. C'est pas comme dans Skyrim ou dans les trucs comme ça, tu trouves des drogues. Vu que c'est un truc nain, vu que c'est un truc des nains, tu trouves autre chose que des drogues dans les trucs nains. Sur Skyrim, dans les nains là, dans les trucs des nains, tu trouves des trucs chiants que j'aime pas. Allez, on va refaire une petite sauvegarde parce que j'ai tué des ennemis, donc c'est l'heure de la sauvegarde. Je mets dans celui-là parce qu'au cas où si la sauvegarde bug. Ça va, tox et des squelettes, ils sont pas si chiants à buter. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai un peu flippé, mais sinon. C'est tranquille, j'ai envie de dire. C'est pas le meilleur truc qui fait le plus. Ok, je ne peux pas le mettre, super. J'ai oublié de passer par le forgeron. En allant chez le forgeron, j'aurais pu me vendre mes objets qui me servent à rien. Et
des armes qui me servent à rien et tout. Mais voilà, c'est trop tard. On fera ça, je ferai ça entre les entre cet épisode-là, si on finit le donjon, et l'épisode suivant. Voilà. Ça se trouve, il sera aussi en deux parties cet épisode. Comme le précédent. Le précédent, j'étais obligé de le faire en deux parties parce que sinon, c'était 50 minutes d'un coup, et comme ça va permettre de vous faire une petite pause entre les deux. Serait bien de le toucher un jour, ce squelette, avant qu'il te tue. Ah, c'est bien. Non, mais staff, je m'en branle. On va essayer de se reposer ici. Je vais sauvegarder. Et après, on va se reposer. Hop là. Pour 13 heures. J'aime pas ces bruits. Ah, j'aime pas les donjons dans ce jeu, putain. Il est où le Minotaure? C'est un Minotaure, c'est le bruit d'un Minotaure. Je suis désolé, mais ça fait un meuh. Et c'est les Minotaures qui font meuh. Ou les vaches, mais je pense pas que notre ami qui nous attend ici, ça soit une vache. Alors, on va voir la carte. On va checker la carte, parce que je sais pas du tout. Oh là là. C'est une mine créée par les nains. Une sorte de truc qui me poursuivait. Alors je vais un peu en mode YOLO dans ce truc. On verra bien si on tombe sur des trucs à un moment ou un autre. Ah, je suis en train de me faire attaquer par derrière. Je suis en train de prendre des dégâts. Ah, les enculés, ils sont deux. Et je suis mort. Ah, fais chier. On commence bien. On peut faire un jour une partie sans que je meure, s'il vous plaît. On va aller tout droit. Est-ce qu'on peut aller au moins là-dedans? Ah! Puits de mine A. Ok, je savais pas qu'on pouvait aller là. Donc là, je suis dans un puits de mine. Je suis perdu dans le puits de mine. C'est super. Je peux remonter par là? Oui! Je vais sauvegarder. Ok, on a découvert un nouveau truc. Est-ce que je suis sûr que je suis déjà passé par là, non? Ah non, jamais. Oh, ça va être chiant de me trouver le bâton là-dedans. Là, c'est juste un peu de la chance. Tu marches au hasard et pouf, tu tombes dessus. J'ai envie de dire. Est-ce que c'est un vrai labyrinthe, ce truc ici? Oh, il y a un truc là-bas. C'est du stuff. Oh là là. Oh putain, un orque, enculé, va. J'ai entendu. Voilà, Yves Mumeur, s'il te plaît. Battle Axe. Une hache de combat. Combien de dégâts fait ta hache de combat, s'il te plaît? De 16, non, c'est pas assez. Et hop, on va sauvegarder parce que je viens de me faire comment ça s'appelle? Un orc au calme. Et je sais pas où aller. On va marcher en mode au hasard et trouver, dès qu'on trouve un truc, pof, on y va. Tiens, il y a une sortie par là, on va aller là. On est déjà allé dans ce puits de mine ou pas du tout? Pas du tout. Ok, bon, on va continuer par là, allez. Voilà, je vais faire en découverte toujours le jeu. Puits de mine. Ah, encore? C'est vraiment un labyrinthe, cette mine. C'est pas possible. Il va durer 5 épisodes, Je l'ai vu, Minotaure. N'inquiétez pas, je l'avais vu. C'est bien que tu puisses le toucher, voilà. C'est moi où je suis devenu. Oh, un cristal. C'est moi où je suis devenu.
Niveau force et tout, enfin niveau attaque. Non, y'a rien dedans. Y'a rien dedans, ok. Ok, Pépère, y'a rien dedans, tu vas te calmer. C'est quoi, on va suivre les rails. Puits de mine C, on change. On change de puits de mine, ok. Non, j'ai pas envie d'écrire. Ah bah, on va continuer de marcher par là, de. Hop, 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 hop. Et on va même sauvegarder parce que j'ai pas envie de mourir et de recommencer 15 fois le truc. Est-ce qu'on peut se. Ah oui, d'accord, il y a des ennemis là. Je regarde, est-ce qu'on peut se mettre ici et genre se reposer? Ah, ce serait cool. Ça, on peut se reposer en étant là-dedans. Ah, le problème, c'est qu'il y a des ennemis. Ouais, je me suis déjà paumé dans le truc. Non, c'est par là. Par là, on est d'accord, ici on n'a pas vu. C'est ça. On connaît pas là. Ok, bah monte, vas-y. Monte, Gérard, monte. On va suivre les rails et puis on verra si ça nous mène où. Ta gueule, l'orque. Meurs, voilà. Merci. Mais je m'en fous de ta dague. Encore un puits de mine. Allez, go. Oh là là, j'aime pas tous les bruits qu'il y a là. Oh, on va se calmer avec les bruits, s'il vous plaît. Non, pas dans le 2. On avait dit dans le celui-là. Voilà. Il me paraît qu'il y a un ennemi qui m'attend en haut. Non, ça va. On va suivre les rails comme je l'ai. Aïe. Connard de Minotaure. Je vous avais dit qu'il y avait un Minotaure qui m'attendait. Ce serait bien que tu puisses le. Le toucher parce que là, je me fais. C'est moi qui me touche moi, mais pas lui. Moi je touche pas. Ah, merci. Est-ce que je peux me reposer? Oui! Oh, c'est un Ezarman. MDR. Maintenant, si le Ezarman commence aussi à me les péter les couilles. On va pas s'entendre, on va pas s'entendre les Arman, ok? Je mets toujours 13 heures parce que je me dis 13 heures c'est un bon temps. Un Minotaure encore une fois. C'est moi où je prends plein de trop de dégâts là. Niveau dégâts j'ai pris bien cher. Oh putain. Quoi, je vais me remettre dedans et je vais me mettre ici et je vais hop mettre un camp. Voilà. 13h encore. Ah, c'est cool. Ah, je le vois. Vous l'avez vu le l'orque? Je sais pas si c'est un orque ou un minotaure. Ah, c'est ce truc de merde. C'est un troll, un ghoul. Très bien que tu le touches, même s'il te touche pas. Oh putain, il m'a mis cher. Oh putain, il m'a mis trop cher. On va repartir dormir. Enfin, se reposer. Il va mettre 14 heures. Même 17h, allez, si je peux. Oh, super. Ah, là, c'est un humain. Voilà, tu dégages. Est-ce qu'il y a un truc au moins important sur lui ou c'est de la merde qu'il a? Chaîne cuirasse, ouais, de la merde. Ah, au moins on voit tous les ennemis qu'il y a dans le jeu. Bam bam. Et encore des ennemis. On en a l'habitude. Tout ça pour arrêter Jaegar Tarn. Oh, c'est juste un Lézardman. Tout ça pour ça. Mais t'es pas sérieux le jeu là. Vous savez quoi, on va comment on va repartir. On a à dire niveau point de vie, ça va. Et on suit les rails.
comme on le fait depuis le début, a pas changé. Je me dis qu'en suivant le rail, ça nous mènera à un truc. Enfin, j'espère. Je sais pas où on est sur la carte. Aucune fucking idée, ok. Ça me manque les donjons de Skyrim où t'es... où tout est tout droit. Parce que là... ah, c'est un vrai... là, on est dans le puits B, ok. Ah, mais... ah, MDR. Demi-tour. Et là, on va tourner. Secondes pause. Alors, désolé, ma mère m'a pris. Où est-ce qu'on en était? On en était à là. Je suis complètement paumé. Ah, mais je peux monter là. En haut. On va faire ça. Et lui, on a un endroit où on peut monter. Genre ici. Non? Bah oui. Est-ce qu'on connaît par là ou on connaît pas du tout? Ah mais on connaît. Ah mais c'est d'où je viens. Oh là là. Bienvenue dans le labyrinthe. Des ruines nains. Je peux monter par là? Oui, je peux monter par là. On va monter par là, on va voir où ça nous mène. Même si ça doit nous mener à un endroit où on est déjà été. Non mais je... oh merde, je me suis gouré. Ah non, on n'est jamais passé vers là. Alors go, on va visiter. En suivant les rails par là, voilà, go. Au moins on a retrouvé la sortie. Oh, encore un squelette. Oh, calme-toi le squelette, ok? Ouais, tu dégages. Super, ça mène à rien tout ça. Et là, on retourne à la sortie. Voilà. On va suivre les rails à partir de l'entrée. Il y a un truc au moins au milieu où rien, il n'y a que dalle. Si ça se trouve au milieu il y a un truc et c'est là qui est le bâton. Pas du tout. On va poser son camp ici pour se reposer un petit peu. Allez. MDR, il y a un mage. Je sais pas où, mais je me suis pris une boule de feu dans la gueule. Et là, c'est la sortie. Non, je vais pas aller, je vais pas sortir. Au moins, ça a dû réinitialiser tous les ennemis qu'il y avait. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Ouais. On va aller ici, parce qu'on n'y est pas allé. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit je vais pas tomber dedans parce que j'avais peur des conséquences en tombant dedans. J'aimerais même faire une petite sauvegarde encore, ça faisait longtemps ou pas. Qui me tape? Qui me tapait? Qui me tapait? Où était le truc qui me tapait? Oh. Bleu, je peux rien faire. Il y a un truc ici qui m'empêche de passer. Eh bah super, il y a un truc qui m'empêche de passer. On va voir la carte, est-ce que c'est normal ou pas. J'espère que c'est un bug du jeu, parce que ça va pas le faire sinon. On va aller par là. Non plus je peux pas passer par là, pourquoi? Mais y'a quoi qui me tape? Putain.
Putain, mais qu'est-ce qui me tape? Ça doit être dans cette... Non, ça peut pas être ici. Oh là là. Bonjour les emmerdes. Ah, là on peut monter. On va aussi pouvoir mourir. Merde, j'ai pris la longsword alors que je voulais pas, c'est pas grave. Y a des mages de feu, j'entends des boules de feu, mais... On va se reposer un peu. Très vite fait, mais on se repose quand même. Et on va tout de suite revoir la carte. Oh là là. Alors on va aller à droite. MDR, ta gueule, Luminoto. On va continuer tout droit. Eh, mais je suis déjà passé par là. Ah si, attendez, on va aller... Ah, continuer tout droit et prendre à droite. Là, et là, on prend à droite. Parce qu'on n'a pas visité ces tunnels. Regardez. Ah, mais ça rejoint un tunnel qu'on avait déjà visité. C'est un vrai labyrinthe, ce niveau. Pourquoi, Bethesda, vous avez décidé de mettre des tunnels comme ça dans votre jeu? Où est-ce que je voulais aller, moi? Déjà, on va se reposer encore un peu avant de remonter à la surface. Putain, j'ai réussi à dormir les 15 heures. Mais non, mais c'est trop bien. Je suis full vie, hop. Et on va essayer de monter ici pour se retrouver bah, ici et pour aller descendre après là. On va essayer de faire un truc comme ça. J'ai eu peur de la flamme. Je croyais que c'était un ennemi. C'est par où qu'il faut. Merde, c'est par où qu'il faut que j'aille? Si tu peux continuer avec le jeu et te... Ouais, là, tu tournes à droite après, la prochaine à droite. Salut squelette, tu vas bien, mon pote? Si tu peux vite mourir, ça serait gentil. Parce que moi j'ai un truc à aller récupérer, voilà, merci bien. Et y a que dalle ici, c'est super. C'est-à-dire qu'on est, je pense qu'on l'avait en plus déjà visité. Ah, ici on n'avait pas visité donc on va continuer à droite. Parce que je sais pas où se trouve le bâton du chaos dans tout ça, enfin une partie du bâton du chaos. Allez meurs Minotaur, meurs! Tu me fais pas peur! Est-ce qu'un jour tu peux mourir? Est-ce qu'un jour tu peux te faire toucher? Putain, si on fait un coup toutes les minutes, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah oh bah ils étaient deux. Allez. Voilà, merci bien. À la prochaine. Moi je vais dans mon trou. Et bah voilà. J'aime bien quand un truc se passe comme ça. Encore un peu dans la force. Dans le vol, allez. Alors on va mettre ça comme ça. Et on va même mettre un petit camp pour ce île. Merde, j'ai mis 5 heures. Ah bah super. J'ai même pas dû me dormir 1 heure. Ah là 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 là. J'en suis où dans la map moi? Alors on arrive dans un endroit que j'ai déjà visité. Je me fais demi-tour. Attendez. Y a pas besoin de faire demi-tour. Je suis dans la bonne partie C. Bon, c'était là, vers là que je voulais aller. Pour voir ce qu'il y a. Parce que ici, on n'a pas visité. D'après ma carte, on est dans un endroit qu'on a déjà visité. Est-ce que mon sens de l'orientation est nul? Oui. Est-ce
Est-ce que c'est normal? Non. Il y a toute une salle ici qu'on n'a pas visitée. Donc si je continue, merde, un peu tout droit, ça devrait pouvoir le faire. Et je vais remonter par là. Y a une ombre, on est d'accord? Y avait une ombre noire. What the fuck, c'est quoi ce truc? Une ombre noire qui m'attaque au calme. Coucou, c'est moi, je t'attaque. Et au moins, je sais où il faut aller. Mais le problème, c'est que j'ai pas de vie. ouais, faut que tu te par là. Et après, tu tournes là à gauche. Et puis, tu vas tourner à droite. Et t'es arrivé. Ah, pas droite. Et là, je vais pas pouvoir poser de camp parce qu'il y a des ennemis. Youpi, youpi, on est content. Non, je veux la carte, moi. Ah, peut-être que j'ai trouvé la fin de ce niveau. Là, c'est à droite. C'est genre là. Mais ici, je me fais après défoncer. Parce qu'il y a une ombre noire de merde. Non, c'est pas ici. Ah! Ah, c'est le drame. Par là. Oh, il y a trop de minotaures là, les mecs. Les minotaures, calmez-vous là. Mes minotaures de merde. Oh. Laissez-moi jouer tranquillement. Pourquoi il est obligé d'avoir des ennemis? Tu m'expliques? Expliquez-moi pourquoi il est obligé d'avoir des ennemis dans un jeu. On peut faire un jeu sans ennemis un jour. Arriver et faire bonjour, il n'y a pas d'ennemis. Comme ça pour les noobs comme moi, c'est tranquille. Ouais, c'est par là qu'il fallait aller. C'est ça. Non, c'est derrière. Est-ce que je peux me faire un camp ici ou encore des ennemis? Putain. J'ai trouvé l'endroit de tout à l'heure, là je retrouve plus. Tout va bien. On est perdu dans ce donjon. Allez, 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 rush, 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 voilà. Oh, D. On n'a jamais eu la mine D. On est dans un endroit qu'on n'a jamais vu. Ah, je vous dis, ça se trouve, on avance. Ou pas. Ta gueule, le ghoul. Merci. Aussi, quel est le con qui a mis le bâton du chaos dans cette mine? Qui a fait ça? Hein? Qui est arrivé qui a dit oh, ce serait sympa de pouvoir mettre le bâton du chaos dans une mine? Qui a eu cette bonne idée de faire ça? Oh, des araignées! Oh, bah voilà, des araignées qui vont me buter. Ah, je suis paralysé. Je peux avancer, bah non, je suis mort. Ah oh, putain, il y a des araignées. Donc ceux qui sont arachnophobes, c'est pas pour vous cette vidéo, désolé. Ah ouais, c'est pas de ma faute, je savais pas qu'il allait y avoir des araignées. Bon, c'est vrai, dans Skyrim, il y a des araignées, mais là, à ce rythme-là, je savais pas. Donc allez, on fait comme ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Je sais plus où on monte, on doit monter par là, je pense. Ouais, on va tout droit. Puis dès qu'il y a les monotores, on rush. J'étais content de moi, j'avais trouvé le puits D là. Mais là, je trouve plus rien. Ouais, les deux minotaures sont là. Go, go, go. Ah, je viens de me faire toucher. Ça sent le roussi. C'est bon, on a réussi à trouver un autre endroit. Et est-ce que je peux mettre un feu de camp? Oh putain. Il y a trop d'ennemis dans ce jeu. Il y a trop d'ennemis au carré. Au mètre carré. Essayer de s'éloigner le plus possible des ennemis, je sais pas.
bah on verra, on trouvera un truc. Genre ici, oui, yes. Il me laisse même pas le repos. Il me laisse même pas de me reposer. Il me laisse même pas le temps de me reposer, les enfoirés d'ennemis. Laissez-moi me reposer au moins, pour que ça fasse un combat équitable, merde. Qui t'a dit que je voulais monter? Personne. Merci. Merci le jeu. Si j'étais mort à cause de ça, je t'aurais buté. Et on aurait fini ce let's play. Il veut à tout prix que je monte le jeu, mais arrête de monter! J'ai vu qu'il y avait un Minotaure, j'ai paniqué. C'est moi, on est en train de faire un tour depuis tout à l'heure. On tourne en rond. Pas du tout. Attendez. Et un nouvel endroit. Ouais, toujours autant de bruit bizarre. Oh, laissez-moi me reposer, s'il vous plaît, le jeu. Ah, E. Putain, on est dans le E là. Oh là là. Pff. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. On a jusqu'à Z, c'est ça, depuis une mine. Y'a que Bethesda pour faire des donjons aussi longs. Mais non, mais putain! Mais pourquoi je vais avoir des ennemis tout le temps? On peut pas avoir un jeu friendly sans amis, sans ennemis, tout que des amis. Oh, ce serait bien. J'entends le bruit d'une boule de feu. On va se barrer d'ici. Parce que j'ai pas envie de finir cuit. Je suis en train de me faire buter encore une fois. Et je suis perdu dans le truc, je sais pas par quoi je me fais buter, mais je me fais buter. C'est par un ghoul. Laissez-moi me reposer, s'il vous plaît. J'ai besoin de me reposer. Oh, juste putain. Regardez, je peux rien faire sans me faire buter. Qu'est-ce que tu veux faire? Bonjour, j'aimerais me reposer un petit peu quand même. Venez voir. Ah bah. Je sais même pas par quoi je suis mort. Ah. Bon, dernière mort et après on arrêtera là. Parce que ça va pas le faire. Trop de morts tue la mort. À un moment on a un peu avancé dans ce donjon. Donc voilà, on peut se dire ça. On pourra se dire ça, on a avancé dans le donjon. On est peut-être pas le plus fort de ce jeu. Des cachots! Écoute mon énigme, mortel indécemment, tu dis, à votre approche, la porte se met à parler. Si la cellule 3 ne renferme rien, la cellule 2 contient la clé en or. Si la clé en or est dans la cellule 1, la cellule 3 ne contient rien. S'il n'y a rien dans la cellule 2, tu trouveras la clé en or dans la cellule 1. Sachant que tout ce qui est dit est faux, dans quelle cellule trouveras-tu la clé en or? J'ai besoin d'un papier. Là, ça va être intense réflexion. C'est parti pour la réflexion intense. Un stylo, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'as, tu fonctionnes toi comme stylo? Oui, il doit fonctionner, c'est bon. Cellule 3. 3. Y a rien. 2. Clé. Faux. Alors, si la clé en or est dans la cellule 1. Cellule 1. 3, rien. 1, clé. S'il n'y a rien dans la cellule 2. Attendez, tac, tac, tac. Si la cellule 3 ne renferme rien, la cellule 2 contient la clé en or. Okay, si la cellule 3 ne renferme rien, c'est-à-dire que
La cellule 2 renferme quelque chose, la cellule 3 renferme quelque chose et la cellule 2 ne contient pas la clé en or. La cellule en or, si la clé en or est dans la cellule 1, si la clé en or n'est pas dans la cellule 1, la cellule 3 contient quelque chose. S'il n'y a rien dans la cellule 2, si la clé en or, tu trouveras rien. Attendez. Oh putain, c'était une énigme de ouf. Et le 2, c'est quoi le dernier? C'est cellule 2, rien. 1, clé. Ok. Ouais, j'ai pas envie de répondre au pif, mais j'irai 2. On teste 2. Tu as raison, mortel, la clé s'ouvre à toi. Bah ouais, mais c'est gentil, j'ai répondu à l'énigme. Oh, j'ai répondu à l'énigme, enculé. C'était 2, j'avais raison. Il y a une autre porte qui s'est ouverte, c'est ça? Parce que je sais que dedans il y a des araignées. À ce qui paraît, il y a des araignées. Ah non! Cellule 2. Allez, récupère cette clé. Me fais pas le même coup que tout à l'heure. Enfin que hier. Enfin que dans le dernier épisode. Putain, j'arrive pas à récupérer la clé. Ok, fallait juste aller dans la... Ah là, il y a des araignées, non, merci. Pourquoi t'as refermé la cellule? J'ai enfin réussi à la prendre, putain. 15 ans après, je la prends. Hop là, bah, je pense qu'on a enfin réussi ce donjon. Enfin presque. Je vais pas dire qu'on a réussi. Parce que... Parce que là, on arrive, je pense, au boss. Et vu ma vie qui me reste. Oh, ça descend encore. Vous savez quoi? On va faire la suite du donjon dans le prochain épisode. Voilà. Parce que là, ça va être un peu la galère. Donc voilà, c'était Link. Ça va être un peu long, pas la galère peut-être, mais long. Voilà, donc c'était Link. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce 7e épisode de The Elder Scrolls Arena, comme c'est écrit sur l'écran actuellement. Donc c'était Link, merci à tous de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Et pour la suite et fin de ce donjon, peut-être c'était Link. A plus tout le monde, bye bye.